Bonjour, nous sommes aujourd'hui le dimanche 27 septembre. Il est aux alentours de 10h45 et je vous amène à l'intérieur d'une propriété privée où il y a un passage secret. Venez, suivez-moi. Allez, venez, suivez-moi. Il fait très frais ce matin, je crois qu'il faisait 6 degrés. Attention en passant, la haie n'a pas été entretenue au moins depuis 2 ans, donc il y a des ronces qui dépassent. Sur la droite, ce sont les jardiniers des appartements. Certains appartements au rez-de-chaussée ont un jardin. Et ici, un figuier. Aussi le jardin privatif. Allez, maintenant, on s'en retourne sur nos pas. La propriété mitoyenne a protégé son jardin des regards avec cette palissade. Il pourrait très bien en mettre une sur le mur, qui n'est pas très esthétique. Notre promenade n'est pas terminée, je vous amène de l'autre côté sur le passage communal qui est mitoyen avec notre copropriété. Et direction le sapin que je vous ai montré tout à l'heure. Ici, c'est la limite de la copropriété. Et regardez la haie, il y a longtemps qu'elle n'a pas été taillée, donc entretenue. Des ronces y poussent à l'intérieur et des arbres. Et regardez, ils n'ont rien à faire là, il faut les couper.
rancier. Peut-être qu'ils ont été là pour récolter des mûres, mais ça m'étonnerait. On continue. D'observation. Coupé, bien entendu. Il n'y a pas qu'ici. Hein. Là, il faudrait rabattre énormément la haie. Jusqu'à au moins 20 cm de grillage. Bon, on verra le bois, mais automatiquement, il repartira ensuite. Ici aussi, à rabattre énormément. Et les arbres qui poussent là où ils n'ont pas à pousser. Écoutez l'oiseau. Là aussi à tailler. Et quant aux bambous, il faut les couper au ras de l'herbe. La ville de Pau considère qu'ils viennent de la copropriété. Donc c'est au jardinier de la copropriété de les tailler. Waouh, quel fouillis! Look at this. Ça fait pas honneur aux jardiniers qui entretiennent le parc de cette résidence, n'est-ce pas? Sur le trottoir, une limace. Pour le plaisir, le panorama sur les Pyrénées. Bon, ce matin, il y a beaucoup de brouillard, ça s'est dégagé. Les campaniles du Palais Beaumont Casino Municipal. C'est des champignons, et alors là, on va du côté de l'Observatoire d'espace naturel. Une forêt à l'ancienne qui est, je pense. Voilà, c'était ma vidéo de ce dimanche 27 septembre pour vous faire découvrir dans une propriété privé le passage secret et également vous montrer qu'il y a un manque d'entretien de la haie et vous donne rendez-vous pour voir de futurs WDD Michaud 64 News. À bientôt.